se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, comme vous pouvez le voir, on a déménagé donc sur une autre map, donc qui s'appelle la Beauce. Non, bah, du coup on voit pas le nom de la map, mais du coup elle s'appelle la Beauce. Donc voilà, donc on est arrivé dans une ferme d'un gars qui a totalement fait faillite et qui a dû vendre sa ferme au prix le voilà. Donc là on a toujours le petit Arion, le petit Cas, le Renault, la Fiat Agri. Donc là il nous a laissé une tonne Universal Torch, un petit plateau littoral, ouais c'est un grand. Donc en fait j'avais déjà visité, j'étais déjà venu visiter la ferme vite fait. Donc avant, là il y a la petite Nolande, ok, le petit Suki. Alors qu'est-ce qu'il y a? Donc là il y a le jeune gars, ouais, lui on va le vendre parce que là, il m'a dit qu'il tombait tout le temps en panne, donc lui il va virer en fait. Hop, on va refermer cette petit hangar. Du coup il y a un petit peu de matériel au concessionnaire, voilà, donc. Donc voilà, aussi du coup, vu que je vous ai fait une petite intro RP, voilà. Voilà, donc celui qui, aussi pourquoi j'avais choisi un petit peu cette ferme. Donc ce magnifique Renault Ares 830, donc je fais un petit peu RP quoi. Voilà, donc en plus il ressemble bien à celui qui a donné vidéo, hein. Même si c'est un 816, celui qui a donné vidéo. Alors donc là, il avait une petite benne Roll Speed 7000. Donc un épandeur à chaud, ouais. Petit 1455 là avec la fourche tôle. Ah, et là il avait les godets et tout qui m'avait dit. Bon, de toute façon je pense que le 14 on va le garder, mais on va virer ce chargeur pour mettre le même qu'il y a sur le Renault. Hop, donc là il y a un orge de 8 mètres. Hein. Là il y a un petit vendeur stade de 6 mètres. Ouais voilà, donc en fait j'ai plus que 323 000 euros. Hein. Voilà, donc avec un petit épandeur. Donc on n'a pas forcément de champ, hein, comme vous pouvez le voir, on en a 1, 2, 3, 4 à peine. Donc c'est pour ça que j'ai gardé un petit peu d'argent, même si je crois que je m'en enlever encore un peu. Donc les défis en fait on va totalement les arrêter, voilà. Alors donc du coup on va du coup amener tout le matériel qu'on va vendre, ouais, parce qu'en fait du coup vu que je vais vendre un petit peu de matériel, voilà. Hop. Voilà, donc son jeune d'air là, son petit 7810 là, je peux bien vous le garder, mais bon vu qu'il tombe tout le temps en panne, ça ne m'arrange pas. Et du coup il avait là, donc juste avant de faire faillite, il avait commandé un tracteur et une tonalisée normalement. Ou un petit bug là. Oh, oh bon bah le tracteur qui bug. Hein. En fait c'était un bug du tracteur. Hein. Hop, voilà, donc on va aller le vendre celui-ci, hein, parce que franchement, il est éclaté. Hein. Hop, ouais, mince. Ah, parce que j'aime bien le mettre en l'intérieur de temps en temps. Voilà, donc il va acheter une petite moto là, sur les passages. Comme il me fait un petit plaisir. Hein. Hop, nickel, voilà. Du coup, après, on emmènera le 1455 avec la fourche, on ira la vendre. Et puis voilà, du coup, tous les jours pas. Donc, c'est une très belle map. Mais du coup, vu qu'à un endroit, du coup, le gars là, qui a créé la map, il a fait une autoroute. Et ben, du coup, comment vous dire que du coup, il trace sur toute la map, et donc dans le village, pareil. Et que du coup, ils font pas trop forcément attention. Et que du coup, ils nous rentrent dedans. Hop. Nickel. Ah punaise, voilà, c'est moi je pensais. Super. Hop, donc lui, vous savez qu'on va le vendre comme ça. Hop, donc le petit jeune d'air, il vire. Hop, nickel. Voilà, donc l'autre map, en fait, je vais supprimer. En fait, c'est surtout pour ça, parce que j'aurais su aller supprimer le carrière, mais je l'avais arrêté totalement. Voilà. Donc là, c'est le petit tracteur qu'il avait commandé juste avant de partir, hein, juste avant qu'il fasse faillite, quoi, avec la petite analysée de essieux. J'espère que sur cette map ça va marcher. Bon, non, mais voilà, du coup, une petite jeu skin deux essieux, donc ça va être plutôt cool. Hop, du coup, on arrive là. Voilà, donc on va aller ranger cette petite tonalisée tranquillement dans un endroit. Donc, tout ce qui était fait, en fait, il a lancé sa ferme, sauf qu'il a fait un petit peu faillite. Il a dépensé sans compter. Et du coup, voilà, nous voilà qui n'a plus d'argent. Donc, faut pas faire ça. Voilà, donc on va prendre son temps, même si on a toujours ce prêt de 250 000 que je pense qu'on va quand même pas tarder à rembourser. La tonalisée, en fait, je ne sais pas où je vais la mettre. On va dire, je vais la mettre là-bas. Hop, du coup, voilà, donc là, on aura 5 tracteurs, du coup, là. Donc ça va être plutôt nickel. Hop, donc voilà, donc on va arrêter totalement les défis, en fait. Parce que voilà. Hop, nickel, voilà, donc on va ranger celui-ci. Hop, nickel, on va carrer comme ça. Hop, voilà, on va décrocher ça, celui-là on va le mettre. Donc là, tous les tracteurs, je vais le mettre au niveau des cellules, là, comme ça.
Alors, donc celui-là, du coup, je ne sais pas combien il fait de chevaux. Alors, combien est-ce qu'il nous fait de chevaux, ce petit Arès? Ah, il en fait 194 quand même. Attendez, oui, j'ai oublié de vous montrer notre moissonneuse. Donc, du coup, c'est un gars, il faisait un peu d'entreprise, il voulait chansons énormes. Il a une série 8 90 avec une coupe de 9 mètres et un cueilleur mais de 9 mètres. Donc, voilà, il était plutôt bien. Alors, donc, on va prendre le 1455. Donc, là, le plus vieux, moi, je veux pas le ranger là parce que franchement, j'aime pas où là il l'a rangé. Mais du coup, on va. Voilà, comme ça. Nickel, hop, voilà. Voilà, nickel, hop, on va se mettre comme ça. On va prendre ça, hop, comme ça. Voilà, nickel. Nickel, on va lui mettre là-bas derrière, derrière les pendeurs en grès. Parce que du coup, c'est nickel. Hop, du coup, la plupart du matériel qu'on avait dans notre ferme, eh bien, on l'a récupéré. Pas forcément la plupart, parce que franchement, le Valtra, en fait, il m'a beaucoup lassé. J'en ai eu marre, en fait, du Valtra, parce qu'il y avait souvent des figurines. Non, je rigole. Mais franchement, le machin, il marchait pas très bien. J'ai oublié comment c'est le. Mince. J'ai oublié son nom. Le télégonflage, voilà. Le télégonflage, il marchait pas très bien. Voilà. Hop, nickel. Donc on va reculer là comme ça. Hop. Franchement, on a un petit peu perdu la main. Hop, voilà. Donc les amis. Voilà, donc c'est parti. Donc je trouve. Voilà, du coup, entre temps, du coup, j'ai installé la bête de niveau de l'attachement. Voilà. Du coup, j'ai installé plusieurs modes. Voilà. J'ai installé aussi un petit Renault. Donc, on va aller voir tout de suite que j'ai acheté. Parce que voilà. Tu vois, donc en fait, il va me servir que pour les occasions. On va aller voir la vitre. On va aller changer les fourches, comme je l'ai dit. Hop, nickel, voilà. Donc, c'est parti. Voilà, donc avec le petit 1455. Hop, nickel, voilà, c'est parti. Du coup, là, on arrive. Donc, attention, vous avez vu peut-être un petit tracteur. Donc, voilà, on va y aller en marche arrière. Voilà. Alors, 3, 2, 1. Voilà, donc c'est un Renault 851 4S Turbo. Donc, un magnifique encore de X3D, donc c'est totalement ligne qui les fait maintenant, donc qui nous sort plein de Renault, donc franchement il me fait plaisir. Voilà, hop, du coup on va vendre la fourche et tout ça. Alors, bon, cette map elle est bien mais elle a quelques défauts en fait. Hop, donc je vais vous en montrer quelques-uns. Hop, nickel, voilà, bon, tout ça. Hop, donc déjà on peut. What? Oh non, ça a bugué. Mince. Hop. Voilà, donc désolé, je vais monter mon. Non, ça a bugué. Voilà, donc c'est bon. Désolé, voilà, du coup, c'est bon. Ça. Donc en fait, ça buguait pas très bien. Ça buguait pas en fait. Alors, du coup, on va acheter cette petite fourche mix. Alors, que la même, hein, comme d'habitude. On change pas une fourche qui gagne. Hop, du coup on va la prendre donc en couleur quasi HM. On va la prendre de la même couleur que celle du Renault. Hein. Hop, parce que je pense que ça va bien aller. Hop, du coup on recule à la pleine blinde avec le 14. Hop, j'espère que ça va aller la couleur. Nickel. Bon, mince. Je fais tout le temps que du coup j'ai manuel attaché. Hop, nickel, voilà. Hop, du coup, alors avec lui, on va ramener l'ordinateur, tiens. Hop, du coup voilà. Ce qui est pratique avec le tracteur, c'est qu'elle habite comme ça. Et que sur les nouveaux, bah y'a pas. Hop, donc nickel. Y'a pas de flexi. Hop, du coup nickel, on va y aller. Donc peut-être. Mince. Je regarde pas. Alors, quelques petits défauts, donc en fait, c'est que les voitures vont à pleine balle. Parce qu'en fait, du coup, il a fait un tour de ça, je trouve déjà très bien. Et du
pas le voir à plein balle, donc dans la ville et tout. Là, il y a des trains donc, qui baignent un petit peu donc, sur les trucs parce que c'est pas un bon. Bah, en fait, il est doué, mais pas trop pour les routes en fait. Parce que regarde, c'est comme là, les routes elles sont minuscules. Donc là, pour croiser, donc c'est un peu dommage, mais bon. Bon, ça va y aller. Hein. Alors, donc, let's go avec le 1455 là. Le bon vieux 1455 là. Moi, je préfère cela que franchement celui qui avait sur le F17 de base. En plus, dès qu'il est sorti, je l'avais installé. Il fait trop plaisir ces 1455 là, avec leur magnifique bruit. On va ranger un petit peu aussi le matériel qu'il y a là. Alors en dernier, je vais aller le mettre là-bas dans la presse mince. Oh, punaise. Le plateau là, faut vraiment que je le range. Parce qu'il m'embête plus que. Alors, du coup, ça c'est nickel. Donc celui-là, on va l'amener. Hop, nickel. Voilà, on va le reculer là à côté de la presse. Je sais pas si elle va passer. Mais je pense que oui. Donc il va falloir ressemer légendaire parce que franchement sur cette map c'est pas ce qu'il y a de plus. Hop, donc si vous voulez on fait une petite visite de la map. Parce que franchement je ne connais aucun youtubeur qui est dessus. Même si elle mettrait un petit peu l'intention. Parce que du coup c'est une très belle map quand même. Non, c'est bon, je dis tout le temps que du coup j'ai même l'intention parce que je ne joue pas souvent avec, même l'ancien était explosé, du coup je ne joue pas avec. Alors donc lui on va le remettre, je ne sais pas, on va le mettre là. Parce que du coup on va ranger les tracteurs là. Hop, voilà donc, hop, on va pas démarrer la race pour un petit bout. Hein. Mince, voilà, du coup je suis en porte. Hop, voilà, franchement la race, ah c'est une plaisir. Franchement je préfère celui-là. Que le 600 qu'il avait déjà sorti, oui, je crois que c'est lui qui avait déjà sorti le 600. Donc, franchement, je préfère les 800, ils sont plus jolis. Hop, voilà, donc on ferme cette porte, on ouvre celle-là pour mettre. Du coup, on va prendre le petit classe. Hop, voilà, donc on va enlever la masse. Donc, j'avais acheté une petite masse pour le classe. Hop, voilà. Après, on va s'occuper un petit peu d'ancileuse. Hop voilà, nickel. Alors on attache, on n'a pas besoin de mettre le cardan ou pour 3 mètres. Par contre, du coup, avec les manières attachées, du coup, ça ne me lève plus tout seul. Quand là, bon, je pense que je vais le mettre là-bas par là, on a mis dans des heures. Hop, voilà. Oups, voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas joué ça, ce soir. Hop, nickel. Voilà, on recule à fond. Hop, donc les faucheuses, le groupe de fauches fait là, je ne sais pas où je vais mettre. Par contre, c'est un peu buggy la collision avec le personnage. Donc, il faut baisser. Hop, nickel. Punaise. Voilà, nickel. Hop, du coup, c'est reparti avec le petit place là. Mince. Et je regarde pas où je vais devant, du coup, je regarde comme ça et voilà, je me plante. Alors, on va aller ranger. La tonnelle, tiens. La cuvalette. Nickel. Hop, voilà. Hop, nickel. Donc, en fait, le petit classe, il n'aura pas connu longtemps, en fait, notre ancienne ferme. Alors, donc, l'aine. Là, c'est la salle de traite. Non, il n'y a pas de tank calé. Alors, oui, c'est le petit tank calé. Alors la tour on va la mettre là non. Hop, voilà on va la mettre là. Nickel, hop, voilà. On la met là. Universal tank. Hop, voilà, nickel, on détaille. On va aller juste chercher un petit truc avec notre petite classe. Hein. Franchement, la bosse, la map, je trouve qu'elle mériterait un petit peu plus d'attention. Que le modeur s'améliore et tout. Franchement, je ne dis pas que ça map est dégueulasse. Il y a certaines textures, regardez, voilà, les champs de nom ne sont pas très jolis. Sinon, de près, elles sont très jolies, toutes les textures sont très jolies. Il manque juste un petit peu d'amélioration donc, pour sa route, pour le trafic. Mais je ne sais pas si on. Bah, normalement.
Je crois que sur une map, on peut réguler le trafic à une certaine vitesse. Mais sinon, je vais vous montrer l'autoroute après que je vous parlais. Hop, nickel. Sinon, on va y aller tout de suite, vous savez quoi. Alors oui, je vais juste mettre les penses de raffinée. Hop. Et je viendrai avec le massé ou le... Tiens, on va prendre la race. Après, on va venir chercher la mopu. Hop, punaise. Punaise, ça y est. Hop, voilà. Hop, voilà. C'est nickel, voilà. Donc, j'allais vous montrer tout de suite. Hop, du coup, on va aller... donc, c'est là-bas au niveau des cochons. Donc, alors, donc là, on est dans la zone des cochons, donc qui est très joli aussi, mais qui manque un peu de place. Voilà. C'est ça l'autoroute que je vous parlais. Regardez, donc c'est magnifique en plus. Il a fait comme une vraie autoroute. Là, c'est quoi? Donc, il y a Nantes, Rennes, Le Mans, Chartres. Ouais, donc c'est trop joli. Attendez, le tunnel, là. Ici, il est joli le tunnel. Hop, voilà, on passe au-dessus des voitures. Hop. Hop. Un peu de saut. Ah ouais, le tunnel aussi, il l'a bien fait, hein, franchement. Bah de loin, il est plus joli que de près. Ouais, est-ce qu'il y a encore là? Hop, donc là, il y a un truc de vente qui est pas mal aussi. Hop, nickel, voilà, donc là, il y a encore. Et là, c'est direction quoi? Paris, Versailles, Hervéry. Ah ouais, je savais pas que Versailles, c'était nosé sur l'autoroute. Hop, nickel. Bon, voilà, on va aller un petit peu dans le classe. Bon, non. On va prendre un petit coup de Renault là. Hop, voilà. On va lever ça. Nickel. Il ne lève pas trop du vent. Bon, je sais pas, je n'ai pas trop testé le Renault. En tout cas, il a un beau bruit. Je sais pas si vous l'entendez. Oh, nickel ce bruit. En vrai, c'est le même intérieur que les anciennes générations, genre les 751 qu'on a. Mais il y a un effet quoi avec il y a moins de froid qui peut rentrer parce qu'il y a plus de trous et 751. Hop, nickel, voilà. Hop, du coup oui, le petit 800 machin, on va le mettre là. Hop, nickel, voilà. Hop, voilà, donc on va le mettre là, je pense. En fait, je pense qu'il y en a un qui va genre. C'est un 51, il va tout le temps rester sur la mélangeuse, lui. Et voilà, hop, du coup, on va prendre. On va prendre un petit coup. Ce petit Arès. Je trouve que le siège est un petit peu bas. C'est peut-être dommage. Attendez, on peut pas le relever. Non, je suis un peu ça. Hop, nickel. Voilà, c'est très joli, hein, le petit Arès. Hein. C'est mieux, mais par contre, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de relevage droïque. J'ai les 4 manettes là, nickel. Hop, voilà. Est-ce que les manettes elles marchent? Ah, ouais, les manettes marchent avant, marchent arrière, elles marchent. Hop, en plus, c'est le même intérieur et tout. À part le truc, à part la radio et ça. Hop, par contre, là, ouais. C'est bien sur l'effet stress, c'est que les voitures pouvaient les bouger. Donc, on pouvait aller balancer des ponts dans l'eau. Donc c'est plus drôle. Hop, voilà, donc c'est nickel avec le petit 836 RZ là. Et magnifique. Hop, du coup là on a donc des freins à air comprimé. Hop, donc on accroche, voilà. Hop, donc il est flexible, oui, c'est bon. Hop, nickel, voilà, donc normalement c'est tout bon. Hein. Attendez. Est-ce qu'il y a des flexibles à mettre? Non. Hop. Oh non, il vole. Non. Oh non, il vole. Oh non, il y a le terrain qui vole. Attendez, il ne pas avant. Si? Bon bah peut-être qu'il faut un petit limite intervalle. Hein. Oh bon, faut pas se parler. Hein. C'est pas grave, je vais mettre sur la roulant, et la roulant il n'y a pas l'air d'y avoir de. Oh
de cardan. Hop, nickel, bon, lui, on le mettra sur les trucs où il n'y a pas de cardan. Hop. Non, mais c'est dommage, c'est dommage. Bah, peut-être qu'après, c'est peut-être un bug de mon PC ou je sais pas quoi. Hein. Mais c'est dommage quand même. Hop, voilà. Donc. Hop. Hop, W. W. Ah, voilà, nickel. Hop, voilà, donc on va le ranger, tiens. Et puis, alors, un tracteur qui a deux revers. Hop, on va baisser. Hop, nickel. On va continuer un petit peu de ranger le matériel qui est juste là. On va démarrer la vieille Fiat Agri. La bobine aussi d'ailleurs. Il va falloir la changer. Hein. C'est pas donné quand même, si vous... je me rends compte. Non. En vrai, ça va. Comparé à la idéale ou à quelque chose dans le genre, les anciens ça va. Par contre, là, il... ah punaise. Ah, nickel. Hop, voilà, on va reculer plein de blindes. On ne circule qu'à 12. C'est pas très grave. Hop, nickel. Alors, du coup, on va prendre le télescopique. On va y arranger un petit peu tous les godets qu'il peut y avoir. Hop. On va rouvrir les fenêtres là. On va prendre les bonnes vieilles habitudes d'allumer les fenêtres. Hop, nickel, les belles sabines aussi. Très belle d'ailleurs. Hop, voilà, donc le godet il rentre pas, du coup on va le mettre tout au-dessus. Hop, nickel, voilà. Mince, hop, voilà. Hop, on détaille. Nickel, hop, voilà. On sait que le cas 935. Nickel, hop. Voilà. Nickel, hop. Ah, il dit celui-là qu'on recule. Oh, bah, j'avais jamais entendu. Et bah, ça, on va y emmener à la main. Vous savez quoi? Parce que lui, hop, voilà. Ah, punaise. Du coup, là, vu que. Donc, du coup, récapitulatif. Donc, du coup, dans cette ferme, donc, quand je l'ai acheté. Donc il y a du coup un Renault RS 900, 836, voilà. Il y avait autre, il y avait un 1455, un 7810 et un et du coup un Massey qui venait d'acheter mais qui n'a pas pu s'en servir. Il y avait aussi le PV, l'épandeur en grès Suki, l'épandeur à chaud, la tonne à lisier, le plateau, du coup. Qu'est-ce qu'il avait d'autre du coup la presse, la moissonneuse, les semoirs, la benne Roland et la tonne universelle. Hop, voilà. C'est nickel, on y va. Hop, c'est nickel. Voilà. Hop, nickel, on va se mettre là. On va le mettre là, nous. Hop, du coup, je pense que je vous fais un petit accéléré, du coup, le temps que je range tout ça, et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai fini de ranger, donc là on va juste ranger vite fait le pick-up. Voilà, du coup on va acheter les champs donc juste après, et après on aura fait une bonne petite vidéo. Hop, voilà,
Donc peut-être que je vais m'enlever un petit peu d'argent parce que c'est quand même un peu cheaté. Hop, voilà. Donc on va remettre la remorque là. Par contre, la moto, je vais juste la descendre. Voilà, hop. On fera un petit tour de moto, un peu, de temps en temps. Hop, voilà. Nickel. Donc là, on évite de faire rien. Mettre un peu plus RP et de ne plus switcher. Voilà. Hop, bah peut-être que si, je ne sais pas en fait. Hop, nickel, voilà. Donc ça, on va retourner là. Hop. Nickel, on la met là. On décroche, nickel, allez, hop, on va aller le ranger là-bas. Du coup sous le garage du coup là-bas qu'on a donc à la maison avec la moto qu'on va mettre dedans aussi. Hop, et juste après du coup on va acheter donc tout plein de petits champs. Très sympa. Hop, nickel, voilà, on va reculer. Hop, on va garder comme ça. On va mettre la moto juste. Je switch un petit peu, je vais juste à retrouver. Alors. Pourquoi je ne switch pas dedans? Ah bah. Hop. La moto elle est bien stylée, mais il manquerait plus qu'un petit casque. Hop, nickel. Alors on va la mettre là, sur le côté. J'espère que je vais mettre le truc là. Hop, on est là. Punaise, ça y est. Ça y est, je suis bloqué. Enfin, j'étais bloqué. Alors, mon canal, on va le mettre là. Punaise. Ça y est, hop, voilà. Nickel. Hop, on ferme ça. Voilà, donc là, on va s'occuper donc d'acheter les champs. Alors, donc, il nous faudrait donc des champs. Alors, qu'ils soient prêts. Attendez. Déjà, tous les champs en l'air, on va les acheter. Il n'y a que 36, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà, donc ça nous fait déjà un champ d'herbe. Alors, donc, est-ce que le 13, bah, faudra avoir un champ qui soit prêt à la récolte. Alors, le 43, ouais, on va se le prendre. Hop, on va, voilà, donc. Après, donc, un autre champ donc, qui serait prêt. Alors, le 16, mais il est en coton. Le 18, il est en tournesol. On va l'acheter. Ouais, donc ça nous fait déjà 40,5. Hein. Alors, donc on va essayer d'acheter le petit champ là-bas. Un petit champ qui. Ouais, on tient le 33. Même s'il ne va pas coûter très cher. Ouais, 6000. Hop, moi il était tout petit aussi en même temps. On va acheter le 28. Hop, donc on aura beaucoup de tournesol à faire. Le 50, il est en quoi? Tournesol, non. Bah attendez. Alors les champs de maïs, faut qu'ils soient. Alors. Un champ de maïs en silice. Alors. Donc, le 10, le 20, il est comment? Donc on va acheter le 20 déjà. Parce que le 10, c'est juste à côté du 18. Et franchement, acheter des champs les uns à côté des autres. J'aime pas trop. Oh tiens, il y a un champ d'herbe là, le 51. Il est en herbe. Alors. Le 30 ou le 52. On va acheter les deux. Hein. Hop. On n'a plus d'argent. Ça nous prend 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 champs déjà. Ça nous fait déjà pas mal de champs. Hein. En fait, ça va. Nickel. Voilà, donc le plateau, on va le laisser là. Hop, on va juste un peu le mieux le remettre. Hop, voilà, nickel. Hop, voilà, donc dans le off, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais de toute façon, dans le prochain épisode, on va du coup s'occuper donc de semer. De semer. En fait, c'est parce que je vois les semoirs et ça me dit, ça me donne envie de semer en fait. Je sais pas pourquoi, mais on va moissonner plutôt. Parce que on a pas mal de champs du coup à moissonner. Ah, punaise, mais. Il est dur à contrôler celui-là, la main de ce mois. Hop, parce que je voudrais le mettre entre le Vaderstad et les pandères à chaud. Voilà, les pandères à chaud là. Et le Horsch là, voilà. Non, on va le rapprocher un petit peu plus. Hop, on va le lever, voilà, comme ça, nickel. Et on va décaler un petit peu celui-là. Hop.
Oh punaise. Oh non. Voilà. Nickel. Oh punaise. Hop, voilà, comme ça. Nickel. Hop, voilà. Hop, nickel. Voilà. Hop. Nickel. Voilà, du coup, il y a toutes les voitures, tous les machins. Mais du coup, voilà, donc je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Donc, dans le prochain, du coup, on va s'occuper donc de moissonner le 43, le 18, le 28 et le 33. Mince. Et j'ai fait un retour Windows sans faire exprès. Mais je pense qu'on va se laisser là du coup pour cet épisode. Donc en tout cas, j'espère qu'il vous aura plu. Donc surtout, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Ciao !